à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo avis et description un petit peu de matériel. Je vais vous parler aujourd'hui des collines. Donc, c'est une gamme de crayons que j'ai acheté au mois d'août. J'ai eu la chance de les trouver par hasard sur Vinted. C'est une gamme de crayons qui me tentait depuis un petit moment. C'était pas dans mes priorités. J'avais très très envie de la tester parce que j'avais eu plutôt des avis positifs. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon avis et si je vous les conseille ou pas. Bref. Alors déjà, je les ai reçus. Ils étaient vraiment tout neufs. Ils étaient encore dans le plastique. Donc la personne ne les avait pas utilisés, rien du tout. Donc vous les recevez dans cette boîte où il faudra tirer. Et chaque rack est recouvert de scotch. Vous pouvez voir ici qu'il y a du scotch. Ils sont très très bien accrochés. Hein. Je peux vous dire que c'est la gamme de crayons que j'ai le plus galéré à ouvrir de ma vie. Donc vous allez trouver trois racks. Pour moi bien sûr je les ai rangés en trousse. Voilà, qui sont chacun, encore une fois, tous scotchés l'un à l'autre. Donc, malgré la distance, malgré le transport, vous êtes sûr que aucun crayon n'arrivera abîmé. En tout cas, moi, j'ai pas eu de mauvaise surprise de crayon abîmé ou quoi. Donc ça, déjà, c'est un avis, je dirais, plutôt positif parce que c'est des crayons qui viennent d'Asie. Alors, il y a deux moyens de se les procurer. Et je dirais que c'est un des points négatifs. C'est-à-dire que vous ne les trouverez pas sur Amazon France. Soit vous les prendrez sur eBay. eBay France. Après, il faut trouver vraiment une boutique fiable. Mais vous les trouverez autour de entre 80, on va dire, et 90 euros sur eBay. Par contre, si vous allez sur Amazon Japan, vous les trouverez au prix de environ, on va dire, dans les 50 euros. Mais sur Amazon Japan, il faut savoir qu'il y a des frais d'envoi et de douane, tout ça. Donc, je pense que... Ben, j'en ai parlé à Audrey, qui a fait une commande récemment, parce que moi, je ne l'ai jamais commandé sur Amazon Japan, qui en a pour... Elle en avait eu pour 35 euros en tout de frais d'envoi. Et elle ne sait pas si c'est, avec tout ce qu'elle a reçu, si c'est un prix à peu près dans ces eaux-là. Je pense que ça dépend de la taille du colis. Mais je pense que c'est une gamme voilà, qui vaut le coup d'être prise sur Amazon Japan parce que même avec les frais d'envoi, vous êtes à 80 euros à peu près. Voilà, au même prix que eBay finalement. Mais vous pouvez en profiter un petit peu sur Amazon Japan pour faire d'autres emplettes, des livres notamment qu'on ne peut pas forcément trouver dans nos boutiques en ligne habituelles. Donc c'est un budget, mais il est bon. Voilà, donc là on va en parler un petit peu, donc on va mettre la boîte de côté déjà. Donc je vais vous présenter les crayons. Alors moi je suis pas, ils sont pas rangés super bien. On m'a donné un nuancier parce que quand vous les recevez, ils sont tous mélangés, c'est-à-dire par rack, vous n'allez pas avoir les couleurs rangées dans l'ordre. Vous allez avoir un mélange de jaune, de vert, de bleu, puis après vous allez retrouver un autre rack avec, je sais pas moi, du rose, du bleu. C'est... Tous les racks ne sont... J'ai pas compris le système de rangement, vraiment. La façon dont ils sont rangés. Donc, la dernière fois, j'avais fait une vidéo haul. Et il y a une abonnée qui m'a envoyé donc un nuancier que j'ai suivi, qui est plutôt pas mal. Il y avait des petites choses à revoir, mais je l'ai laissé tel quel parce que il me convient comme ça. Et au moins, ça me laisse une base. Mais j'aime beaucoup. Alors, le crayon, il se présente de façon hexagonale. C'est, je pense que c'est ça qu'on dit. Hein. Donc, comme ceci, voilà. La mine est plutôt grosse, je trouve que ça va. C'est pas... ils font cheap. Vraiment, ils font cheap. C'est pas du bois de qualité. Je vous l'assure. On est un petit peu dans le même délire, je trouve, que les Giotto Sinovo. Donc, je vais vous montrer un Giotto. Je parle au niveau du poids, au niveau du bois... Et encore que le colline est un peu plus lourd, je trouve. Ouais, le colline est quand même un peu plus lourd, un petit peu mieux de qualité. Je dirais le bois après le même, à peu près. Et encore, je trouve que quand même le colline est un
poil au-dessus, mais vraiment un poil. Hein. Mais voilà. Au niveau des. Ils n'ont pas de nom. Donc vous allez avoir marqué Colline et je pense que c'est un nom. Je ne sais pas ce qui est marqué, c'est en asiatique. En tout cas, c'est le même signe qu'on retrouve partout. Donc soit c'est Colline, soit ça veut dire crayon de couleur, j'en sais rien. Et vous allez retrouver un chiffre. Ce chiffre-là, comment vous dire? Comme pour le nuancier, ils sont complètement aléatoires. Autant il y a des couleurs, je trouve, qui vont s'associer, par exemple, je sais pas, bon, le 101, le 102, le 103. C'est un exemple tout bête. Vous allez dire, ah, ben ça suit. Et puis après, vous allez avoir le 104, ça va être une couleur tout à fait différente, style, je sais pas, bon, vous allez avoir des roses qui sont dans les 100. Et puis, d'un coup, vous allez avoir un bleu ou un truc vraiment qui a rien à voir. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant. Je dis, c'est pour ça que j'ai galéré vraiment à faire le nuancier. C'est que les chiffres ne se suivent pas forcément. Ils n'ont pas de nom. Donc ça, c'est un peu embêtant. Au niveau de l'utilisation, franchement, je les ai pas mal utilisés. Et ça m'a pas dérangé qu'ils étaient hexagonales. Je préfère quand même les crayons ronds. Hein. Mais je veux dire, ça m'a pas dérangé plus que ça. Ensuite, voilà, au niveau du nuancier, si vous pouvez voir, je vais vous montrer après sur le papier. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas énormément de jaune. On va dire qu'il y a un vrai jaune. Et après, c'est des jaunes soleil, des jaunes verts, des crèmes qui sont très très bien. Les crèmes, j'adore. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gamme. Il y a ces crèmes qui tirent un peu sur le jaune, qui tirent un peu sur le beige. Et là, on a ces couleurs-là. Pour ce qui est des oranges, c'est un peu pareil, je trouve. Je trouve qu'on n'a pas ces oranges fluo. Il n'y a que celui-là et celui-là un peu. Mais après, on va avoir des oranges un petit peu. Si vous avez les Prismacolor, par exemple, les oranges minérales, voilà, des oranges qui tirent sur le. Pour faire des citrouilles, par exemple, cette saison, vous allez avoir des couleurs un petit peu pêche qui sont super intéressantes. Vous voyez, je les ai un petit peu utilisées, qui tirent un peu sur le rose. Voilà, orangé, qui tire sur le rose. Au niveau des rouges, pour un mid-gamme, je trouve que on est bien. C'est vrai que moi je suis habituée aux Luminance et par exemple aux Lightface qui ont des rouges super pétants. Donc c'est un petit peu. C'est complètement différent. Mais c'est vrai que si on veut aller sur un mid-gamme, c'est difficile d'avoir des rouges vraiment très, très foncés et très pigmentés. Mais ils valent vraiment leur coup, je trouve. Au niveau des roses, vraiment, vous avez ce qu'il faut. Il y en a un petit peu ici qui sont plus des roses ou rouges framboises, un petit peu. Vous allez avoir des roses, des vraies roses, des roses Barbie, un petit peu. Voilà, des roses Barbie. Là, on va avoir des violets. Alors, les violets, ils sont super intéressants parce que vous avez des violets qui tirent sur le violet gris. Vous voyez, des couleurs un petit peu. Vieilli. On voyait que là j'ai utilisé du bleu. Donc les bleus, il n'y a pas de couleur qui marque. Voilà des couleurs où je me suis dit waouh, ça c'est du bleu. Ils sont assez classiques au niveau des bleus, mais très bien. Vous avez autant des couleurs foncées que très claires, que ce soit dans toutes les gammes, hein, dans toutes les couleurs. Vous voyez les roses, ils sont très clairs. Les jaunes, vous avez des crèmes, vous avez des oranges plutôt claires et foncées. Et c'est pareil pour tout, franchement, vous avez autant du très clair et du très foncé, ce qui est plutôt rare dans les mid-gamme, je dirais, puisqu'il est considéré comme un mid-gamme vu le prix. Hein, 50 euros pour 120 crayons, on reste dans un prix de mid-gamme. Au niveau des verts, on est très bien. On a autant des bleus turquoise, des verts doux, que j'adore. C'est mes couleurs préférées, d'ailleurs, là, je les ai pas mal utilisées. Bon, moi, je les mange pas beaucoup, je sais pas, ma façon de colorier, je mange pas vite les crayons, mais je peux vous dire, j'ai fait plusieurs coloriages avec. Hein. Et bon là j'en ai pris pas mal, mais vous allez avoir des verts un petit peu, je sais pas comment dire, très peps. Et là vous allez avoir les kakis et là les marrons et un petit peu des gris. Ce qui est, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop avoir des gris dans les gammes de crayons, moi j'aime bien. Et cette gamme-là il n'y en a pas énorme, mais ils sont très bizarres, c'est pas gris chaud, gris froid. Ça va être des gris qui tirent sur des bleus, des gris qui tirent un peu sur le vert. Il n'y a pas beaucoup de gris, c'est ce qui manque. Bon, moi j'aime bien utiliser les gris, mais dans mes gammes de crayons, entre le gris et le marron, c'est des couleurs que j'utilise pas mal, mais là, pas tant que ça.
Donc, au niveau du nuancier, on est pas mal. Ce qui manque, je dirais, c'est des couleurs un petit peu couleur peau, couleur chair. C'est vrai qu'on a des roses très claires, mais ça serait plus pour faire du Disney, vous voyez. C'est un petit peu faire des peaux un peu poudrées, un peu roses, mais pour faire quelque chose de très réaliste, ou en tout cas de se rapprocher de quelque chose de réaliste, ça va être compliqué, je trouve. En tout cas, moi, je suis tellement habituée aux gammes Luminance pour faire mes portraits que de toute manière, j'utilise que cela pour faire les portraits. Donc, difficile de donner un avis là-dessus. C'est possible. Hein, tout est possible en mélangeant les couleurs, bien évidemment. Vous pouvez mélanger des marrons. Il y a des marrons très intéressants et les roses très claires pour pouvoir faire une peau. Mais c'est pas ce que je vais m'amuser à faire. Peut-être sur des petits personnages, voilà, Disney tout petit, où je pourrais éventuellement les utiliser, mais c'est pas ce que je recherche. Donc, niveau couleur peau, je trouve ça manque un petit peu. Et ce que je vous disais, c'est que les bleus, il n'y a pas forcément de bleu qui vous marque, mais on a suffisamment de gamme où il y a du bleu, donc c'est pas forcément gênant. Moi, je suis contente qu'il y a beaucoup de violet, il y a beaucoup de rose et il y a beaucoup de vert parce que c'est mes couleurs que j'aime beaucoup. Les marrons, ça manque un petit peu, mais je dirais que pour moi, ça ne me dérange pas aussi forcément puisque je suis tellement habituée à utiliser les drawings pour vraiment utiliser du marron-marron. Je vais aller sur du drawing. Donc, je peux mélanger, voilà, pour faire, par exemple, faire des ombres avec du marron, ça va me plaire. Mais si je veux faire un effet bois, je ne vais pas forcément aller dans cette gamme-là. Je vais aller dans les drawings parce que moi, je mélange mes gammes. Donc ça, c'est autre chose. Voilà. Mais ça manque un petit peu de marron, on va dire. Mais c'est pas ce qui me dérange le plus. C'est plus les couleurs peau qui manqueraient et du gris. Donc là, je vais vous montrer un petit peu bah, le nuancier que j'ai pu faire. Alors, il n'est pas super bien fait. Hein. Je vous avoue que j'ai fait des nuanciers beaucoup mieux que ça. Hop. Donc, vous voyez, ce que je vous disais, c'est qu'il y a du jaune, mais vous avez des jaunes très clairs. Vous avez des crèmes. Je vais un petit peu zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop. Voilà. Vous avez des pêches. Ce que je vous dis, des oranges pêches. Il n'y a pas d'orange flashy comme j'aime pas, comme le 415 et le 406. C'est les deux seuls que je ne suis pas forcément fan, mais en mélangeant les autres couleurs. Puis vous avez des marrons orangés, donc orange minéral, ce qui rappelle dans les prismas un petit peu. Et vous avez des oranges un petit peu super intéressants. Je sais pas si. Hop, je vais vous montrer dans les prismas. Ah non, ça c'est l'inverse, pardon. Hop. Vous voyez ces couleurs-là, un petit peu, que j'aime beaucoup. C'est celle que j'utilise le plus dans les oranges. Et là, bon, on en a pas mal parce que vous avez les pêches qui sont à côté. Mais voilà, ça c'est des couleurs que vous pouvez faire des pots par exemple. Pour ombrer des peaux, c'est possible avec ça. Au niveau des rouges, vous voyez, il y a un rose au milieu là. C'est plus du couleur rouge framboise qui est super intéressant. Le rouge le plus foncé, c'est le 708 que d'ailleurs j'ai zappé. vous avez le 119. Vous voyez, ils sont quand même très pigmentés. Hein. Je vous montre les autres gammes que je peux avoir. Alors après, j'ai appuyé super fort. Hein. Les Prismacolor couleur, je me suis amusée à moins les. moins appuyer fort parce qu'ils sont. Ils sont chers, donc je fais attention. Mais vous voyez que. Voilà. Et c'est du papier à grains et que le grain est rempli par le crayon. Donc j'aime beaucoup. Ce que je vous disais, c'est que vous avez des violets. Un petit peu du parme, du rose qui tire un peu sur le violet. Vous avez des violets grisés qui sont super intéressants. Je dirais celui-là, on dirait presque un métallique parce qu'il a un côté rose et violet. Je ne sais pas, c'est très très bizarre, mais j'aime beaucoup cette couleur. Vous voyez, je m'en suis servi dans un colo d'ailleurs pour faire un fond. Ce mois-ci, vous avez des violets hyper foncés. Vous voyez, celui-ci, le 716, il est hyper foncé. Oh, pardon. Hop, voilà. Vous avez ce que je vous disais dans les bleus, il n'y a pas vraiment de couleur qui me marque. En tout cas, moi qui aime le bleu, à part le 313 que j'aime bien, et puis après, vous avez plus les verts d'eau que j'aime beaucoup, comme le 705, le 700, oui, le 205, je vais y arriver, le 213. Voilà, ces couleurs-là que j'aime beaucoup. Le 206 aussi, il est super beau. Vous avez des verts comme ça, un petit peu flashy, mais que j'aime bien. Vous voyez, c'est des verts. Vous pouvez faire un peu un effet néon, un effet magique avec ces verts-là. Vous avez des beaux kakis. Vous avez des ocres sympas, des ocres verts et des ocres marrons. Et voilà, au niveau des marrons, vous avez quand même du foncé. Vous avez le 700, le 505. Je sais pas pourquoi je dis 705. 507 qui est super beau.
Et puisque je vous disais, au niveau des gris, vous avez quand même pas mal de gris froid, mais qui tire sur des bleus, comme celui-ci. Là, ça fait. J'arrive même pas à les distinguer en fait. Il y a quelques gris chauds là, des gris bleutés, un peu verts, et puis là, vous avez des gris froids beaucoup plus soutenus. Et j'ai pas mis le blanc et le rouge, parce qu'en fait, le blanc et le noir, pardon. Parce qu'en fait, j'avais fait tous mes ronds, parce que ça, je l'ai fait à la main. Et en fait, ça m'embêtait que de mettre genre 5 couleurs derrière. Donc, je les ai mis ici et j'ai pas mis les blancs et noirs. Parce que de toute manière, le blanc et le noir, la plupart du temps, je me sers du drawing blanc, moi, et du poli noir, c'est mes chouchous. Donc, je n'ai pas forcément l'utilité de le mettre dans le nuancier. Donc, voilà. Mais ils sont vraiment très bien. Le noir, franchement, il est top. Le blanc, je suis habituée au drawing, donc bon. Mais vraiment, ils sont pas mal. Donc après, je vais vous montrer un petit peu les colos que j'ai pu faire avec. Donc ce mois-ci, j'ai fait quoi? J'ai fait ça. Je suis pas mal allée dans celui-là. Je vais vous montrer les premiers que j'ai fait à l'intérieur avec, hein, quand même. Je vais regarder juste les colos que j'ai fait parce que j'ai pas tout. Hop. Pas tout mis. J'ai pas envie de vous montrer non plus tous mes colos parce que vraiment je m'en suis servi dans plusieurs colos et je me suis servi des fois de une ou deux couleurs parce qu'ils ont des couleurs qui sont vraiment sympas. Donc mon premier, on va dire un des premiers que j'ai fait, c'est celui-là. Alors il n'y a pas grand-chose, il y a un effet rose gold, mais vous voyez qu'avec cette gamme j'y suis arrivée à faire un rose gold. Qu'est-ce que j'ai fait également? J'ai fait celui-ci qui est entièrement aux collines. Il est 95% colline, on va dire, parce que j'ai utilisé un rouge très foncé justement dans les luminances et un vert très foncé aussi. J'aurais pu très bien mélanger des noirs et mélanger mes pigments, mais comme il y a plein d'éléments, je voulais pas vraiment trop me prendre la tête. Mais vous voyez que c'est possible de faire des choses quand même super pigmentées. Vraiment, je trouve que. Bon, après, moi, j'ai mis de la gouache, ce qui peut jouer aussi sur le. Sur le colo. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec ce mois-ci? Je crois que c'est tout. Bon. Je vais pas vous montrer, il y en a un que j'ai fait, mais ce sera pour le mois prochain. Donc, j'ai fait ça. Et vraiment, vous voyez, ça, c'est bien, je disais, c'est pour tester des gammes. C'est que. Je vais remettre normal. Voilà. C'est que j'ai pu tester plusieurs combos, plusieurs styles de couleurs. Vous voyez, j'ai réussi à faire des couleurs claires. J'ai essayé de faire une fleur un petit peu blanche avec des sous-tons verts très clairs. Il y a du rose. Ils se mélangent extrêmement bien. Alors, moi, j'ai pas 50 000 gammes de crayons. J'en ai pas mal. Je l'accorde. Mais j'ai pas les dernières gammes de crayons comme on peut avoir les RTX, comme crayons gras. Et vous avez les chromaflots. C'est des crayons que je n'ai pas testés. Mais avec les gammes que je peux avoir, que ce soit des mid-gammes ou des gammes artistes, je trouve qu'ils sont très gras et se mangent très bien. Peut-être pas autant que des Prisma, hein, soyons honnêtes, mais ils se mélangent extrêmement bien, vraiment. Qu'est-ce que. Ils se saturent pas trop vite. Et moi, de toutes les gammes que je peux avoir, mais vraiment, c'est ma gamme préférée. En dessous des Polychromos, Prisma et Illuminance et Lightfast. Mais ils sont en premier point. C'est-à-dire que ils sont meilleurs que les Color Soft. Ils sont meilleurs que les Posca Pencil. Ils sont meilleurs que les Black Widow. Ils sont meilleurs. Qu'est-ce que je peux avoir comme gamme? Bon, Procolor, j'en ai pas beaucoup. Ils sont meilleurs que les Castle Art, je trouve. Ils sont meilleurs. Bien, bon, les Arteza, que je n'aime pas. Les Kyoto, Style Nouveau, ils sont meilleurs. Voilà, ils sont meilleurs que ces gammes-là. Je les trouve vraiment pas chers pour leur prix. Parce que voilà, ils coûtent 50 euros, mais avec les livraisons, vous êtes à 80 euros pour 120 crayons. Donc vous êtes moins cher que des chromafos. Vous avez 120 crayons. Alors après, ce qui est embêtant, voilà, c'est ce côté-là de se dire, je vais commencer sur Amazon Japan. Mais s'il y a un livre qui vous tente depuis longtemps, que vous cherchez un mid-gamme. Parce que pour moi, on est au-dessus d'un mid-gamme en fait. On est proche d'une gamme artiste.
Si vous considérez par exemple que les Color Soft et que les Chroma Flow sont des gammes artistes, alors je vous dirais que les Colline sont dans la même lignée, mais en mieux. Parce que vous avez 120 couleurs. Alors après, il y a des points négatifs. Je vous disais, c'est la livraison, d'aller les commander sur notre site. Vous avez également le problème qui est que lorsque vous avez terminé une couleur, vous allez vous retrouver embêté puisqu'ils ne se vendent pas à l'unité. Donc ça, c'est un inconvénient également. Mais voilà, si vous les usez de façon à peu près, vous usez plusieurs couleurs, les recommander, ça va pas être gênant vu le plaisir que vous allez avoir à colorier. Voilà, vous les conseille à 100% si vous aimez les prismes, si vous aimez les Posca Pencil, si vous aimez les gammes qui sont très grasses et se mélangent bien, malgré qu'il faut quand même du push par push, parce que bon, moi je les travaille couche par couche, toutes ces gammes-là, de toute manière. Donc vraiment, vous ferez des beaux colos. Alors après, voilà, vous ne pouvez pas faire des pots, mais je pense pas qu'avec voilà, avec les Color Soft, je ne me suis pas amusée à faire une peau non plus. Même si c'est possible, je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas amusée à faire une peau au Castel Art non plus. Donc, vraiment, c'est des clients que je vous conseille. Je suis pas la mieux placée, peut-être. Je sais pas. Parce que moi, je mets de la gouache sur mes crayons. Et j'aime toutes les gammes que j'ai pratiquement, sauf les Arteza. Et ceux-là, je m'en sers dans tous mes colos parce qu'ils ont des couleurs vraiment originales. Et c'est des crayons que, une fois que je les aurai bien entamés, je pense que je me rachèterai une boîte. Et sans. Puisque je n'ai jamais commandé sur Amazon Japan et que je les ai pris sur Vinted, j'aurai aucune peur de les acheter parce que je sais ce que je vais acheter. Donc, si vous êtes débutant dans le colo, que vous cherchez une mid-gamme super, je vous les conseille. Si vous êtes à la recherche voilà, de crayons pas très chers, ceux-là sont mieux. Si j'avais un conseil à vous dire entre les Chroma Flow qu'on trouve à 99 euros en promo, sinon ils sont à 130 passés, les Color Soft qui sont à environ à 115, 120 euros, voire plus des fois, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Posca Pencil, mais vous allez payer 50 euros pour 36 crayons. Vous voyez que. C'est vite vu. Les Castel Art, on est au même prix. Même prix pour le même nombre de crayons. C'est-à-dire que les Castel Art, vous les touchez à 80 euros à peu près. Pour 120 crayons également. Mais on est en dessous. Vraiment, on est en dessous. Donc, franchement, n'ayez pas peur de commander sur Amazon Japan. Tous ceux qui l'ont fait n'ont jamais eu de problème. En tout cas, que je sache. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans le colo. J'ai toujours vu des gens qui commandent à Amazon Japan. Et ils n'ont eu aucun problème. Et je vous dis, moi, j'ai jamais commandé sur Amazon Japan, je les ai pris sur Vinted. Mais si demain, je devais les racheter, sans peur ni quoi, j'irai sur Amazon Japan. Voilà. Donc, cette revue est finie. Je ne suis pas une experte, voilà, en revue, tout ça et tout. Mais vraiment, vous pouvez faire de très belles choses avec ces crayons. Et ils sont super intéressants. Et j'ai pas beaucoup de mid-gamme. Mais je pense que j'en achèterai pas plus parce que celle-ci me convient très très bien. Et je vous dis, on est proche de la gamme artiste. On est vraiment à 2 doigts de la gamme artiste. S'il y avait un peu de peau, de couleur peau et que le bois serait de meilleure qualité, on serait sur la gamme artiste. Mais on est à 50 euros la boîte de crayons. Hein. Ils sont fabriqués en Thaïlande mais vendus au Japon. Donc on ne peut pas s'attendre non plus à 50 euros. Puisque c'est avec ça c'est ce qu'ils gagnent en fait. C'est pas avec 50 euros qu'ils peuvent faire non plus des miracles. Donc le prix ne bouge pas trop sur Amazon. Vérifiez quand même un petit peu, convertissez le prix. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura convaincu pour ceux qui hésitaient. Parce que vraiment, c'est vraiment un coup de cœur. Je savais que j'allais les aimer, mais là, je suis vraiment très étonnée. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, puisque, comme je dis, je sais que des revues ont été faites comme Morgane ou comme Sandrine Ombre Corps, mais c'est des revues qui datent un peu, entre guillemets, et il y a d'autres gammes qui sont arrivées entre-temps.
Et même si je n'ai pas tout, j'en ai parlé avec des colocopines. Et ils ne valent pas ces gammes-là. Je trouve qu'ils ne sont pas suffisamment mis en avant. Et c'est pour ça que je le fais, parce que je les conseille à tout le monde. Et écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end si vous la regardez aujourd'hui. Et vous faites d'énormes bisous. Et je vous dis bientôt et à bye bye dans une prochaine vidéo. Zombie but awake, 밤비가 내려와. Can't wait, no time is game, so I just put it on my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려와. Can't wait, no time is game, so I just put it on my way. All I need is love, all I need is up. 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 잘한 늘 하는 래퍼들 얘기는 no. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 빌어러 간다고 느끼는 게 살아있단 건 날 더 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아줘. 누구에게 약이 되고 누구에겐 독, 이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네. 밤에 들이부어져 간이 부어버려 툭 튀어나와버려 내 배가 부르지 않게. Better rapper, bad honey, bad bust down rolling. 향하로는 부족해. 향하로는 부족하니까 난 손목에 내또 내 목에 챙갱갱. 하지 못할 일은 없으니까 가족에게 보여줄 일밖에 이젠 없으니까. Hustle for the best, got no time for the bitches. 랩을 못한 남은 내 노래마저도 give me. Get a money backpack, new click, new whip. Never put it back, payback, click, clack, bang. I'm walking like a zombie.